Je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais dans un endroit où j'ai donné cours, il y a un juif qui s'est approché de moi et qui m'a dit « Ouais, j'attendais pour te voir. Je veux te parler, ok ?» Alors il m'a dit que véritablement, Hachem, le Créateur, lui a sauvé sa vie. Il était un gradé dans la police et ils ont raconté sur lui une fausse histoire. Et à cause de ça, ils l'ont viré, ils l'ont renvoyé. Il a eu des jugements, des difficultés. Il est devenu très triste. Il a toute la journée commencé à penser à des pensées, comment il allait se venger. Et chaque jour, il s'est mis à penser. Et c'était vraiment pour lui une souffrance et une honte. Ils ont commencé à écrire sur lui dans les journaux. La honte, elle s'est répandue. Alors, il a pris la décision de suicider, qu'il laisse tuer. Il a rencontré un ami à lui. Et qu'il a dit vraiment, il a dit, écoute, moi, j'ai plus la force de vivre avec cette histoire. Je vais me tuer, c'est mieux. Son ami, il a dit, écoute, avant que tu te suicides, je vais te donner un livre, lis-le, et si après tu veux te suicider, fais-le. Je lui ai donné le livre, Le Jardin de la Foi. Il a dit, j'ai lu ce livre, j'ai compris que c'était pas eux, c'était Dieu, c'est le créateur de l'univers. Tout est pour le bien, j'ai commencé à dire merci, j'ai commencé à faire Shabbat, j'ai commencé à me réjouir. Et maintenant, ils lui ont ramené dans son travail, il a récupéré son travail. Et il lui a dit, ce livre-là, il m'a sauvé la vie. Combien d'histoires j'entends de ce type? Beaucoup. Chacun doit voir comment diffuser les livres, les CD. Un homme, il peut sauver une vie. J'entends de nombreuses fois des histoires comme ça. Chacun d'entre nous. Et quand tout le âme Israël fera tchouva, se repentira et retournera à la foi. Et le livre, le Jardin de la Foi, il faut savoir qu'il existe aussi le Jardin universel de la foi qui est destiné à toutes les nations, à tous les non-juifs. Même aux non-juifs, il faut leur donner le Jardin universel de la foi. Que tout le monde ait la foi en Dieu, que tout le monde croit en Dieu et qu'Hachem vous bénisse. Que tout celui qui s'occupe de diffuser, tout celui qui s'occupe de diffuser, il mérite. Son salaire, il est énorme. Il nous dit le Chovat al-Avot que celui qui s'occupe de diffuser, il est plus grand même qu'un prophète. Alors on bénit tous ceux qui s'occupent de diffuser, qui méritent d'avoir une bonne vie et douce. Amen, qu'elle soit ainsi.